partir de cette date. Voilà, maintenant je voudrais que tu me le dises. À manifester un comportement. Et vous avez un autre plan ? Bon messieurs, l'heure n'est plus au dribble ou au jeu de jambes, ni à n'importe quelle autre pitrerie ballonesque. Merci beaucoup du conseil. Je pense qu'il ne faut pas du tout la sous-estimer. C'est une révolution. Elle a fait tout ce qu'il pouvait. C'est la prochaine étape. On ne l'a pas obtenue là. Objectivement, ça ne faisait pas partie des résultats qui étaient d'ailleurs même visés, car ça n'était pas réaliste. Ils étaient très prudents. Je vais peut-être du coup remettre en contexte tout ce qui se passe. Ils voulaient que personne fasse de vagues. Mais maintenant, il va falloir mettre la pression sur ce sujet. Et pour pas donner des idées à mon équipe. Nous parlons nos langues réciproques. Non, y a pas moyen. Putain, mais qu'est-ce qu'il croyait ? Fallait bien que je fasse mon beurre. Et donc, nous voulons coopérer. J'ai trouvé une entourloupe. Faut que je trouve. Et ça n'est pas bilatéral. Et donc, nous voulons coopérer. C'est pas de la rigolade, cette histoire. Pour montrer ma bonne volonté. Ça, c'est le premier élément. Vous savez combien de temps ça prendra ? Ça prendra le temps qu'il faudra. Oui, bien sûr, nous en avons parlé aujourd'hui. Où cet objectif ne figurait plus comme un élément d'accord entre les États membres. C'était comme au bon vieux temps. Voilà, maintenant je voudrais que tu me le dises. À manifester un comportement. Ah, vous êtes vraiment une belle bande d'abrutis. Je vous parle pas de tennis. Vous en faites pas, je connais mon job. Oui, c'est ça qui me flanque la trouille. Il est clair que t'es un pur bergeot qui aime bien jouer à des jeux qui sont plus vraiment de son âge. C'est de confiance qu'il s'agit. En effet. Cette charte, nouvelle version. On s'est mis à faire cracher les gros flambeurs, les patrons de casinos, les boucs, tout ce qui bougeait en pleine ville. Et qui, à côté de cette histoire, a une géographie, nous sommes le pays le plus proche. Et quelles en seront les conséquences ? Ce type-là ne baisserait pas sa garde, même devant sa grand-mère !